Et c'est ainsi que tous, inconscients, s'engouffrèrent au début des années 1980 dans l'industrie du jeu vidéo. Bonsoir les amis, vous n'avez pas entendu arriver. Et oui, un nouveau stream sur du shmup vintage, tu le sens venir, tu le sens venir, oui, il arrive, le voilà. Aujourd'hui, on va se faire un jeu qui m'a un petit peu fait me poser des questions, parce que je me suis dit, est-ce que je le mets dans les shmups ou pas? Parce que, vous allez le voir, c'est quand même assez particulier. Et si on regarde bien, en fait, bah, ça reste du scroll, ça reste du tir, donc c'est un shmup, hein, grosso modo. Surtout que celui-là est, allez, un petit poil particulier. 1981, pour vous remettre dans le contexte, comme je disais au début en plaisantant, c'est le moment où ça explose. C'est-à-dire que là, oui, effectivement, les industriels ont les yeux qui s'écarquillent et se disent, les bornes d'arcade, ça fonctionne. Prochaine étape, on installe des bornes d'arcade à la maison des gens, quoi. Ils y croient, les gars. Donc là, tu as des boîtes qui commencent à se former, qui seront les grands noms qu'on connaît depuis. Et puis, tu as des tas de gens qui cherchent des jeux qui fassent comme, qui soient compréhensibles comme, qui soient praticables comme, bref, qui aient du succès, mais sans être la vulgaire copie d'eux. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est ce que va nous démontrer aujourd'hui Space Bugger. J'ai oublié de faire voir le fly. Je vais vous le faire voir le fly, parce qu'il vaut le coup quand même. En plus, j'ai mon fail de démarrage, on me dit en régie. Donc, regardez-moi ce joli fly. De toute beauté, hein, c'est le terme technique, hein, pour ça je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Pendant ce temps, moi je vais régler le petit problème de capture, puisque c'est quand même vachement ennuyeux. C'est quand même le jeu qu'on était venu voir, pas le flyer. Donc voilà, oui, on a des grosses bêtes de l'espace, et apparemment c'est les morpions de l'espace, et nous on est chargé de démorpioniser, hein, de ce que je comprends. Je vous l'enlève avant que vous soyez trop impressionnés. Et on y va, cette fois ça devrait fonctionner. Comme si ça n'avait pas fait de fail au premier coup. Yes. Alors, 1980, patent pending. Donc ça veut dire que c'est même pas sûr que ce jeu soit sorti dans le commerce ou sur une borne. J'ai pas eu le temps de voir le nom de l'éditeur d'ailleurs. Ça titille ma curiosité. Alors on a des graphismes haute définition. Hein. Puisque oui, on n'est pas en 4 sur 4 pixels ou 8 sur 8 pixels. Non, le sprite fait bien du 16 ici. Oui, je fais monter la pression pour que, comme tout le monde l'imagine, on réalise ensemble que c'était un jeu génial qu'on n'a pas connu. Et voilà. Donc je me fais balancer des vers de terre. Et j'ai un vaisseau désinfectant qui est coincé au milieu, qui a ses petits bunkers un petit peu comme dans Space Invader. À part que là, c'est un mode Space Invader en miroir. J'en ai d'un côté, j'en ai de l'autre. Donc je dois avoir un bouton pour tirer à gauche, un bouton pour tirer à droite. Le tout est de me déplacer avec tact et panache. Et tel le fonctionnaire de la poste qui jette ses différentes lettres dans les différents casiers, acheminer mes bastos dans ces tas de morves baveux que je vais anéantir pas plus tard que maintenant. Chouette, on a le son, ça c'est la bonne nouvelle. Parce que la répète, je crois pas qu'on l'avait. Je vais vous le monter un peu parce que je voudrais pas être le seul à souffrir. Oui, je suis comme ça maintenant. Halte à la souffrance du gars qui fait la review. Nous ne sommes pas seuls. Profitons-en tous. Ah, mais c'est le début de ta-da-dam. Ta-dam, 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 loué, loué. Ta-da-dam. Je vais vous le faire comme ça, ce stream. Ah, mais ils se rapprochent, ces cons! Ah, j'avais pas pris en compte ce paramètre. Nos rapports vont devenir assez rapidement tendus, je pense. Dis donc, les insectos! Et ils ont remis les soucoupes comme dans Space Invader. Donc, en fait, ce jeu est prédestiné pour les gens qui ont un problème avec leur regard. Vous savez, ceux qui ont un œil qui dit merde à l'autre, comme on dit couramment. C'est un handicap, faut pas se moquer. Mais voilà, eux, ce jeu, bah, je pense qu'ils le one CC, quoi, tranquille. Mais vraiment tranquille, les gars. Donc, prochain achievement dans TBG, inviter un de ces gars qui nous le one CC. Parce que là, moi, je pense que mes jours sont comptés maintenant. Et que ça va beaucoup moins bien se passer qu'au début. Puisque, hein? J'ai exactement la...
Vous savez quoi? Ce mode de jeu est particulièrement pénible, en fait, si on doit tout dire. Il n'en finit pas. Et moi, je suis en train de... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il essaye de m'impressionner, je le sens bien. Il essaye de me faire comprendre quelque chose, mais je ne comprends rien. Je suis bien dans The TBG. Et les ETBG, on ne comprend jamais ce qui se passe. Sinon, ça serait pas drôle. Cette partie va durer très longtemps, je pense. Alors, il est peut-être pas sorti parce que l'éditeur s'est dit à la fin... Charlie, le môme, il a mis un franc, c'était quand? Lundi? Bah, regarde, on est quel jour, là? Jeudi? Bah, il y est toujours. Il y a un problème avec ton jeu. Comment ça? Non, non, il est très bien, ton jeu. Mais je rentre compte du pognon, moi. Bah oui. Ah, plus qu'un. Non! C'est moi. On y retourne, ok. Bon, alors, là, ils se sont dit... Ouais, c'est vrai, il faut que le gars, il perde un peu. On va lui enlever des bunkers, progressivement. Il va rien se rendre compte. Il va pas calculer, il va faire... Mais c'est pareil que tout à l'heure, c'est aussi facile, je rigole. Ah, 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 ah. Un peu comme les hommes de main dans Austin Powers. Et en fait, non, tu ne rigoles pas, parce que là, tu souffres. Parce que là, je pense que la partie va enfin connaître une petite victime innocente avec son beau vaisseau en forme de X. X qui voulait dire... X. Piu, 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 piu. Kaboum! J'ai vraiment pas fait exprès. Oh là là, je suis déçu. Zut, il m'en reste. Là, j'ai fait mes 5 minutes. Chrono. 6 minutes 40. Ouh. C'est pas une raison pour... Oui, je suis totalement d'accord et je ne vais pas... Je vais pas gâcher ce jeu qui est... Bah, vous l'avez pas vu tous les jours, hein. Faut le dire. Puis vous le verrez pas tous les jours, je pense. Faut le dire aussi. Je me barre, il y a trop de monde, là. Je vais faire un massacre. Je vais faire un massacre. Un massacre, tu m'entends? Veuillez-vous terminer, racaille de l'espaf. Ich, 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 ich. Je finis ce côté. Allez, je suis à vous, les chéris. Hop, 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 hop. Bougez pas tant. Bougez pas tant. On n'est pas des sauvages. Piou. 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 Oh, j'arrive pas à synchro, là. Piou. Ok. Faut le faire avec un point d'interrogation, en fait. Piou. Mais bon, t'es pas peur. Ah, trop tard. Piu piu. Piu piu piu. On pourra jamais discuter avec ces gens-là, je pense. C'est pour ça qu'en fait, depuis ce jeu, tout le monde déteste les extraterrestres parce qu'ils sont quand même très 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 désagréables. Et donc là, bah, l'éditeur, il va retourner voir le programmeur. Là, je pense qu'il faut me barrer. Il va revoir le programmeur et lui dit, mais... Tu te rappelles du môme qui était là la semaine dernière? Bah, il a toujours pas quitté la borne. Bah, le programmeur, il est un peu gêné, quoi, il transpire. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu... Putain, mais je réapparais de l'autre côté! Ouais, la technologie du futur. Ce qui serait bien, c'est que tu fasses qu'il y a un espèce de... J'allais dire un VG avec des pattes. Mais bon, je vais me retenir, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Mais vous voyez bien l'idée. Enfin, sérieux, il vous fait penser à quoi ce truc? À une table basse qui vous court après? Oui, allez, une table basse qui nous court après. Et du coup, là, le joueur, il est obligé de criser un peu. Et peut-être l'enfant lâchera cette bande qu'il squatte depuis 10 jours. Vous me l'achetez? Elle est pas fumeuse, ma théorie. Elle est totalement crédible. Ce jeu est bien trop facile, je pense. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été vraiment diffusé. Je pense aussi. Et nous venons d'élucider un mystère mystérieux que même les chasseurs de mythes ne sauraient résoudre. Et ça, tu l'as fait avec moi dans The Big Game of Ski. Donc aujourd'hui, tu vas exceptionnellement t'accorder un nouvel achievement pour avoir, avec Monsieur K, démystifié un jeu totalement, ce Space Bugger, qui va vite aller dans la malle au grenier, dans les archives, mais il n'en ressortira pas avant un temps certain, j'imagine. Je vous laisse avec les deux streams habituels, la playlist classique, la playlist des shmups, où il y en a des beaucoup mieux. Il y en a même des pires, je vous le dis aussi. Et vous pouvez toujours vous abonner. À demain, 19h. Ciao. 9 minutes. Pfiou.